Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Amen. Amen pas. Amen. Oh. Aïe aïe. Amen pas. Attends-tu? Je devrais être fixé dans 10-12 heures. Flavien, dis-moi là comment je pourrais faire pour sortir avec Petrolia. Appelle-la. Ah, OK. Oh, pis non! D'un coup, quelqu'un me reconnaît? Appelle-la, Bob! C'est quoi déjà le numéro? 8. 8. C'est ça, le 8. Oui? Ah, alors? Ah, c'est un sondage. Oh, est-ce que vous aimez les pilotes de vaisseau spatial noir? Oui? Non? Toutes ces réponses. Allô? Allô? Bob, t'es ben niaiseux! Hey, pendant que t'épluchais ton cactus, là, t'es-tu mis sur le pilote automatique? Oh, le pilote. Comment? C'est quoi ça? Ça a fait assez d'aplomb. J'espère qu'on n'a pas frappé un orignal cosmique comme l'autre fois. J'espère qu'on n'a pas eu de blessés. Messieurs, que se passe-t-il? Capitaine! Vous êtes blessé, vous avez... Ben non. Je mange un hot dog et rien, là. Oui, alors que nous disent les moniteurs externes, Flavien? On dirait, mais... c'est une navette d'origine terrestre. Ça ressemble à une navette cryogénique individuelle. Bob, Flavien! Garde un cheval au chaos. Garoche-Vos, oui. Et allez visiter cette navette. Ah ben, s'il s'agit d'une capsule de congélation, rapportez-la pour examen. Ah ben, apportez ce constat à l'amiable. On ne sait jamais. C'est vraiment fascinant. Mes amis, nous nous apprêtons ici à vivre un moment assez évémancé. Tout d'un coup que c'est un yéti, hein? Ou un monstre, hein? À part de ça, ça va tout dégoûter par terre, hein? Puis, pourquoi qu'on le renvoie pas dans l'espace, hein? Brad, cette capsule ne peut que contenir un être humain. Ouais, on serait déçus si c'était juste des boîtes de popsicle. Bonne, Petrolia! Wouhou! Là, peut-être pas un anévrisme, mais pas si bonne que ça. Brad! Non, j'aime pas ça. Excusez. J'aime pas ça. Attention! Une main! Wow, quatre bagues! Capitaine, qu'est-ce que je fais? Je tire! Attendez! Je vais essayer d'entrer en contact. Je suis le capitaine Charles Petnaud. Comprenez-vous ma langue? Do you understand my tongue? Boo-bop-doo-wop-dop-dop-doo. Oh boy, pour moi, il est encore gelé, lui! Capitaine, cette voix-là... Le toupette! La pédaine! C'est Elvis Presley!
Êtes-vous vraiment... Are you vraiment all this? Yes, I'm the king, buddy. But où que je suis-je, quand? Vous êtes sur le vaisseau Romano Feufar, en l'an 2035. C'est un privilège pour moi de vous recevoir et... regardez pas de ménage, hein, on n'a pas eu le temps de... Mais mettez-vous à l'aise, donnez-moi votre cape. Oh, ça fait longtemps d'être congelé, 58 ans. Hey, monsieur Elvis, vos chansons, là, ils ont traversé l'histoire. On les écoute encore, nous autres. Jailhouse Rock, Don't Be Cruel, Heartbreak Hotel, name it. Puis est-ce que vous regardez encore mes films? Moi, je les regarde encore, vos films. Je les ai tous vus, je les connais par cœur. Mon préféré, c'est votre 64e, là, des filles et un chausson pour apporter. Thank you. You're a good girl, baby. Au fait, prenez pas ça personnel, mais vous êtes pas supposé être mort? Well, c'est une longue histoire, mais je veux pas vous embêter avec ça. All right. You, c'est pas facile la vie de star. Moi, Elvis, j'étais le star le plus gros de la planète. Je pouvais plus aller magasiner sans faire déchirer mon linge. Les compagnies ont exploité moi, mes chansons, pour des millions et des millions de dollars. Tout le monde m'adulacrait, mais moi, j'étais seul au monde. Ah ouais? Même avec ce paquet de groupies, de noix naïves et non, vous étiez malheureux? Oh yeah. So, j'ai appelé un ami à moi, directeur de la NASA, qui m'a parlé d'un projet top secret pour envoyer un singe congelé dans l'espace. J'ai demandé pour prendre la place du singe. Il a accepté? Oui, mais en échange, il a exigé 2 caisses de la banane. Et je m'ai décollé. Et now, you know la suite. En tout cas, vous êtes ici chez vous. C'est pas Graceland, mais ici, vous allez enfin avoir la paix. Thank you très beaucoup, Captain. Je suis plein de contentement. Je suis, comment dire, je suis... I'm all shook up, yeah! Mais la pétrolia, va-tu falloir t'installer un coussin gonflable? Je vais vous faire faire le tour du propriétaire, hein, Elvis. Avez-vous besoin de quelque chose? J'ai un peu faim dedans mon ventre, Captain. On va vous préparer un petit quelque chose. Monsieur Elvis, nous, on a un band à bord, puis on fait des jams des fois. Là, je me demandais si... Oh, I don't know, I really don't know. Okay. Oui. Just for the fun, right? And no recording, hein? Oh, just for the fun. All right. Hey, Bob, on va jouer avec le King. On va jouer avec le King. Ça va faire du bien d'entendre un artiste de talent jouer sur ce vaisseau. En tout cas, si je deviens son gérant, il jouera pas longtemps avec des minables comme vous. C'est... Oui, même juste. Comment ça va, bébé? Bébé! Y a personne qui m'appelle bébé, tu sauras. Gros macho. Ça doit être mon accent qui est pas au point, hein? Ouais, ça doit être ça. Check! One, two! Check! Check! One, two! Check! Wow! Hey, les gars! Ça me rappelle de Las Vegas! Elvis! Il a pas peur des enterrés, Elvis! Il joue comme des piochons! Hey, Bob, donne-moi un fa! Fa, c'est bon! Cet enregistrement pirate va valoir des millions. Calibre, ça vous tente de faire du rock and roll? Yes! 1, 2, 3, 4! Oh, well, baby, way, please, my baby, say. Oh, baby, way, oh, baby. Oh, please, baby, baby, way, oh, yeah. Oh, yeah. Yeah!
OK, on va prendre un break. Ça creuse l'appétit de jammer. Oui! Hey! C'est encore toi le meilleur, Elvis! D'ailleurs, ça me fait penser, faudrait peut-être qu'on se fasse un petit meeting, là. J'ai eu quelques petites idées si tu voulais faire un comeback intergalactique. Ouais. Tu sais, il y a des extraterrestres à trois mains. Quand ça applaudit, tu les entends pas à peu près? Non, je vais jouer juste pour le fun, juste pour le fun. Ouais. Salut, le King! J'aimerais te présenter mon décolleté. Décolleté, je te présente Elvis. Hi, baby! Oh, la serviette du King! Oh, et que votre sueur de front sent bon! Moi aussi, je sens! Petronia, j'ai eu chaud! Veux-tu une pof? Elvis, pensez-vous que vous seriez capable d'aimer une femme 80 ans plus jeune que vous? Écoute, Petronia, j'ai composé un petit morceau juste pour toi. Écoute ça! Oh, mon beau Elvis! T'as été tellement congelé, là! Si ça te tentait de te réchauffer, ce soir, on pourrait... Excuse, j'ai pas entendu dans mes oreilles. Je me demandais si ce soir, tu voulais pas qu'on fasse... Hey, ça te tente-tu que je fasse des cure-dents avec tes maudits bâtons? C'est pas de ma faute, c'est... C'est eux autres qui sont partis seuls. Arrêtez donc, vous autres! De toute façon, mademoiselle, Monsieur Presley est occupé ce soir. On doit parler business ensemble. Oh non, business, non. Oh non, mais juste comme à bonne franquette, là. Autour d'une grosse pizza, pepperoni, steak hatché. Ouh, pizza! Oh. Yeah, pizza! I'm sorry, baby. Sorry. Oh, baby. Tu vis le charisme, Bob? Hein? Les filles tombent comme des mouches! Ça n'a rien à voir. Ça, c'est à cause de son haleine. Imagine, ça fait presque 60 ans qu'il s'est pas brossé les dents. Petronia, you! Bon, regarde bien ça, Bob, on va rire. Petronia, Elvis. Check bien ça. Petronia, Elvis. Oh, c'est chien. Ça m'énerve. Petronia, Tornavis. Petronia, j'aurais besoin de votre opinion de groupie. En tant que PDG de Elvis Interstellar Federation Inc., j'ai pensé à commercialiser quelques produits. On commence avec la boîte à lunch Elvis. Hein? C'est pas beau, ça? C'est pour les gros mangeurs. Hey, on enchaîne avec le T-shirt Elvis. Hein? Bon, faut penser intergalactique, alors... ben oui. Et attention, les favoris en spray. Voulez-vous essayer? Brad Spitfire, c'est de l'exploitation, ça. Vous voulez abuser de mon Elvis, profiteur. Votre Elvis. Non, mais vous divaguez. Ce dont Elvis a besoin, c'est pas d'une capotée qui tombe dans les pommes à chaque fois qu'il lève le sourcil. Il a besoin d'un agent brillant. Qui pense à ses intérêts, qui pense à faire profiter son talent dans toute la galaxie. Je fais pas ça pour moi, je fais ça pour lui. Non, je pense même à lui donner un pourcentage sur les ventes. Espèce de requin, vous vendriez votre père pour 5 piastres. Wow, là, vous saurez que mon père, je suis allé chercher 50 piastres pour. Bon, c'est comment pour le T-shirt, là? Il est beau quand il est assis. Oh, et qu'il respire bien. Oh, Petronia, hein? Allô? Allô? Thank you.
Salut, Bob. Petraya, écoute ça. Oh, it's one for the money, two for the show. Three girls ready, get cuckoo, get cuckoo. Yeah. Hey Bob, essaye pas d'accoter Elvis. C'est des souliers trop grands à porter. Y a pas juste des souliers qui sont trop grands à porter. Ton Elvis, là, avec sa gourmandise, y a tellement de boulets, on dirait qu'il y a eu des implants mammaires de la tête aux pieds. C'est pas de la gourmandise, tu sauras. Il mange ses émotions. Ah, mais il est ému en crime, hein? Hey, les jeunes, je viens de découvrir le poutine, hein? C'est là que je vois que le monde a beaucoup évolué, hein? Ah, Elvis! Elvis, laissez-moi déchirer votre linge, s'il vous plaît! Voyons, ça se déchire bien mal, ça! C'est un tissu anti-groupie qu'on a inventé pour moi en 1975. Oh. Regarde, Petrolia! Moi, mon linge, il se déchire super bien, hein, oui! Ah, mais pourquoi tu veux pas aller déchirer le linge de Bob, hein? Oh, tout ce que tu voudras, Elvis! Oh. 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 Je commence à avoir un funny de feeling, moi. Journal de bord du capitaine. Mardi le 21 mai 2035. Voilà maintenant 3 jours que le King est à bord. Bon, il met de l'ambiance dans le vaisseau, mais par contre, depuis 72 heures, l'équipage se pogne le beigne. Nous avons un... Non, ça c'est pas bon. Mais il faut que je trouve un moyen de rétablir la situation. C'est bien, mais non, ça pourrait être mieux. Écoute, pour lancer un foulard dans l'espace, là, ça prend un méchant swing, hein? Travaille l'extension du bras. Et l'extension, hey, good! Oh, oh. Je pense qu'il mérite sa récompense. Une belle poutine au foie gras, extra sauce. Non, Brad, je suis pas faim. Ah ouais? Alors, faut pas que tu maigrisses trop, là. Ça coûte cher à refaire une garde-robe. Bon, je vais être dans ma cabine puis finaliser les contrats, OK? Hey, on se voit tantôt, mon Elvis. Yeah! 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 Woohoo! Hey, bon, excusez. Ça me dérange pas trop que je joue avec votre guitare, mais... Non, tu la veux, je la donne à toi. Oh non, hé, hey, non, oh, voyons. Non, garde-la, c'est mon plaisir. Oh, hey, je me laverai plus jamais les mains. Merci, monsieur le King, là. Merci. Écoute, Flavienne, just rappelle ça. La célébrité, c'est comme l'espace, c'est énorme, mais dans le fond, c'est juste du vide. Just rappelle ça, Flavienne. Just rappelle ça. Okay. Moi, je vais aller faire un petit somme dans mon loge, OK? Okay. Dérangez-moi pas. Non. Yeah? Right. Yeah. Bob, je ne sais plus quoi penser. Aïe, qu'est-ce qui est arrivé à votre linge? J'ai oublié ma scie à chaîne dans la sécheuse. Ah, OK. Ouais, ça m'est déjà arrivé, moi aussi. Hein. C'est fauche. Hein. Ouais. Donc, en tant que capitaine, je dois mener à bien notre mission. Depuis que le King est à bord, tout le monde est devenu crackpot. Flavien essaie de se faire pousser une bédaine pour ressembler à Elvis. Brad empêche le vaisseau avec ses cigares et Petrolia est rendue à 3 commotions cérébrales et 2 côtes cassées. Hey, elle trippe pas à peu près sur Elvis. Si vous saviez, capitaine, je capote bien raide. Depuis que le King est ici, Petrolia me regarde comme si j'étais une coquerelle. Puis Flavien est distant. Je sais bien que c'est pas de ton chou, là. Prends bas, mais guiboulibou! On peut quand même pas demander à Elvis de se faire recongeler. C'est pas de vous qu'on parlait. Y en a bien des Elvis. It's okay, Bob. Captain, freeze me. Recongelez-moi, you know, je pensais que le monde avait changé en 58 ans, mais c'est toujours pareil. Les groupies, les profiteurs, tout le monde veut un morceau de King. I don't want to be a teddy bear. Je veux repartir. It's now or never. C'est beau, Elvis. Je comprends ça. C'est le grand Jules César qui a dit devant les armées ottomanes. Let's go, les gars, pas de temps à perdre. Ouais, bon. Bob. It's for you, Bob. Favori? Ah, c'est trop! Tu les porteras pour Petrolia. Elle aime ça. So long, Captain. Yeah.
Bob. C'est fantastique, qui va conquérir la galaxie à partir de ce soir. Et ce soir seulement, j'ai nommé Bob Presley! Bob Presley! Bravo! Thank you! À la prochaine chanson est pour une jeune et jolie jeune fille qui s'intitule Petrolia et ça s'appelle The Grass Love Me Petrolia. Petrolia, oh ma Petrolia, si tu te cherches une maison, y a de la place dans le camion. Est-ce que vous pensez que ça fait mal de se faire congeler? D'après moi, ça va vous laisser froid. Le plus dur, c'est de briser la glace. L'important, c'est de pas péter aux frettes.